On est bientôt arrivé. Non, Abby. Le bateau de Rochelle est encore un tout petit peu plus loin. Tu peux arrêter de me poser la question toutes les 10 minutes. Ok. On est bientôt arrivé. Je t'ai dit que... D'arrêter de la poser toutes les 10 minutes, alors je la pose toutes les 2 secondes. Ça va. Je t'ai jamais contente, de toute façon. Vous n'avez aucune maturité, c'est... Oh, et vous perdez même vos livres. On n'a rien perdu, Abby. C'est même pas à nous. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Bon, on y va quand? Il y a sûrement de la bouffe sur les arbres. J'ai faim. Arrêtez de gueuler comme des possédés. Il se passe quoi, Spectra? Regarde ce qu'il y a mis dans ce livre. Il y a mis quoi? Hein? Montrer. Je veux lire. Attendez, je veux lire aussi. Moi aussi je veux lire. Même si je sais pas lire. J'arrive même pas à déchiffrer la première mot. C'est pas un mot, c'est une lettre. Mais j'arrive pas à la déchiffrer. C'est trop dur. Je vais vous le lire. Car Abim, elle sait pas lire et elle doit savoir. Cher journal, si je me confie à toi, c'est pour te donner tous mes secrets. Alors, je jure de ne jamais montrer ce journal aux gens. Je ne le perdrai jamais. Je confie tous mes secrets à toi. Mais bon, on dirait qu'elle l'a déjà perdu, son journal. Tais-toi! Moi quoi? 14 décembre 2014. Ma sœur m'exaspère. Elle m'énerve. À chaque fois, c'est elle et jamais moi. Elle a toujours ce qu'elle veut. Moi, je n'ai jamais rien. Mais aujourd'hui, j'ai vécu une journée vraiment horrible. J'étais populaire, j'avais des amis. Et la Gouna me les a piqués. Elle me prenait toujours tout. Sans même le savoir, j'ai voulu en finir avec elle parce qu'elle m'énervait trop. Je l'ai donc tuée. Le jour suivant, je suis retournée à l'école. Ses amis m'ont confondue avec Laguna. Alors j'en ai profité pour me faire passer. Et comme toutes mes amies m'avaient trahie, j'ai donc fait en sorte de les tuer. Je les ai donc emmenées sur cette île. Ces amis sont si faciles à tuer. C'était si amusant de pouvoir les piéger et de les tuer. De voir tout plein de sang partout. De pouvoir en finir avec elles. J'ai donc pu toutes les tuer. Du moins, presque toutes. Mais malheureusement, je suis devenue possédée. Non pas par un démon, mais plutôt par l'envie de tuer des gens. Et j'ai donc continué à tuer des gens. J'ai continué jusqu'à maintenant. Je vais tuer tout le monde. En me faisant passer pour Laguna. Personne n'aura ma trace. Je suis sa sœur jumelle après tout. Personne ne croira cette histoire. Personne ne saura que Laguna a une sœur jumelle. Tout le monde soupçonnera Laguna. Et plus personne, je dis bien personne, ne me mettre en prison. Alice Blue. C'est horrible. On a cru que c'était Laguna pendant tout ce temps, mais ce n'était pas elle. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant qu'on sait toute l'histoire, il faut partir vite avec ce journal. On sait que c'est une vraie criminelle et qu'elle nous fera des choses horribles. Elle prend plaisir à tuer des gens.
Bien, 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 famille. Il est temps de s'amuser un tout petit peu. Laguna, arrête. Tu es une vraie psychopathe. Laguna, je te dis, arrête, s'il te plaît. Laguna, je t'en supplie, ne me tue pas. Laguna, non, je ferai tout ce que tu veux. Laguna, s'il te plaît, Laguna. Fanny, je vais te révéler un petit secret. Je ne suis pas Laguna.